Έχει διακριθεί βραβευτή πάρα πολλές φορές με τον με το βραβείο, το μεγαλύτερο βραβείο της γαλλικής κυβέρνησης το 2007, για να κάνω λάθος, και το 2003 όταν έγινε η υπόθεση των τεχνών και των γραμμών. Je voudrais vous faire part d'un problème technique. Je n'ai pas trouvé des piles très spéciales à Thessalonique. J'ai cherché aujourd'hui, je n'ai pas trouvé. Ce sont des piles très spéciales qui me permettent en fait, dans mes microprocesseurs, de pouvoir parler toutes les langues des pays que je traverse. Et donc aujourd'hui, exceptionnellement, je ne parlerai pas ni le grec ancien, ni le grec moderne, pas l'anglais et peut-être mal le français. Donc c'est un problème de pile, excusez-moi. Mais j'ai vu beaucoup de personnes, et j'en suis très heureuse, qui parlent la langue française, parce que tout le monde m'a parlé en français. Donc, je voudrais vous remercier, vous, d'avoir les bonnes piles. Ce qui est très heureux, c'est que nous avons une traduction simultanée, et donc, cela va aller tout de même assez vite. Mais je ne sais pas ce que Katharina Koxina vous a dit. Donc, j'espère que tout ce qu'elle a dit est fantastique, et j'en suis sûr. Mais je vais peut-être répéter certains points que Katharina a dit. Parler du manifeste, mais vraiment très brièvement, d'accord? Et j'ai juste dit, même pas de détails, l'esprit et un CV, mais vraiment très rapide. Je suis vraiment très heureuse d'être pour la première fois à Thessalonique et donc de pouvoir montrer mes vidéos des performances et pouvoir parler de mon travail de performance. Donc aujourd'hui, en fait, je ne montrerai pas d'autres œuvres, car je fais des œuvres, on pourrait dire, très classiques, des sculptures, des dessins, des installations, beaucoup d'autres choses que les performances. Donc tout l'accent de la conférence est basé, en fait, sur tout ce que j'ai pu faire comme performance avant ou après, ou alors les œuvres qui sont nettement et directement influencées par des performances. Je voudrais remercier le consul et aussi le directeur de l'Institut qui est aussi attaché culturel. Je ne me trompe pas, c'est bien attaché. Conseiller, voilà. Donc de nous avoir apporté notre soutien, mais je voudrais remercier surtout toutes les personnes qui, dans l'ombre ou dans la lumière, payés ou pas payés, ont donné beaucoup pour que cette biennale existe, ce qui est un miracle fantastique en cette période, et aussi toutes les personnes qui ont contribué et aidé à ce que je puisse venir à Thessalonique dans ce festival et dans cette biennale. Et bien sûr, je voudrais remercier la curatrice de ce festival, Erini, mais son nom est très difficile pour moi, Papa Constantine. Voilà, j'ai gagné. Donc, je voulais vous dire que beaucoup de rumeurs me précèdent. Donc, en fait, j'aime beaucoup donner des conférences pour essayer de parler avec mon public et de mieux faire comprendre ma démarche qui a souvent été détournée par les médias. Et à tel point que j'ai vraiment une œuvre qui est orchestrée par les médias et qui a dit un certain nombre de choses et qui n'est absolument pas le message que j'ai tenté de faire passer. Donc, je vais essayer ce soir de vous dire ce qu'il en est. En fait, j'ai commencé par ma copie et aujourd'hui, vous ne saurez jamais si je suis la copie ou si je suis l'original.
cette photo, cette représentation de moi, pour moi est importante parce que, effectivement, j'ai, et on le verra plus tard, j'ai essayé vraiment d'être dans la sculpture de moi, dans l'invention de moi, et de fabriquer effectivement une image qui est une image qui va à l'encontre des images, des modèles qui nous sont désignés en tant que femmes. Et il n'y a pas que les femmes d'ailleurs à qui on désigne ce qu'ils doivent être, ce qu'ils doivent penser. Donc moi j'ai essayé de faire bouger le cadre et vous verrez, j'ai d'autres œuvres qui ont toujours essayé de désigner le cadre et de faire bouger le cadre. En fait, je vous reparlerai de cette image, mais je vais vous montrer une autre image de moi où là, j'ai un phoné et mes vrais bosses. En fait, un styliste, il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années, je ne sais plus, a fait des hommages en fait, à mon travail en faisant des défilés de mode avec des mannequins qui avaient les mêmes bosses que moi, donc en maquillage. Et pour le jour du vernissage de l'exposition, nous avons fait aussi un livre ensemble, il m'a proposé de faire une performance, et donc je suis arrivé avec un nez très très grand, comme les nez Maya, et j'avais mes vrais bosses, alors que l'audience pouvait se faire de fausses bosses avec du maquillage de cinéma. Donc, tout le monde avait pratiquement dans la salle du musée, au Westminster Museum à Rotterdam, des fausses bosses, et moi je suis arrivé avec mes vrais bosses et mon faux nez. Voilà, les autres avaient un vrai nez, probablement, hein, je n'ai pas vérifié. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une actualité autour de cela actuellement, puisque Lady Gaga a beaucoup imité des artistes plasticiens et plasticiennes comme Yann Astervat, mais moi elle a beaucoup beaucoup copié plusieurs de mes œuvres et dernièrement tout le monde a dû le voir et elle s'est fait poser de fausses bosses sur le front en maquillage et aussi elle a vraiment piqué une de mes sculptures qui s'appelle Bumpload et qui est une sculpture interactive un peu cyber entre cette hybridation africaine et mon corps, où il y avait des bosses sur les épaules, comme vous lui avez vu mettre. Donc, la copie, puisqu'on revient au problème de la copie, ou l'imitation, ou la mémoire que nous avons tous, et avec laquelle nous travaillons, c'est bien sûr très intéressant que Lady Gaga fasse passer d'une manière très populaire ce que j'ai pu faire, mais ce qui est ennuyeux, c'est qu'elle ne le dit pas à son public. Et ça, je trouve que c'est très irresponsable, par rapport à son jeune public qui ne sait pas, et bien sûr les vieux qui ont oublié. Alors, je voudrais remonter dans mon travail à partir des années 64. J'ai fait des performances au ralenti qui avaient un rapport avec les sens interdits. Je vais essayer d'aller très très vite sur certaines diapositives parce que nous avons assez peu de temps. Et Catherine Altestina m'a dit de faire attention. Le premier temps de mon travail ont été des œuvres qui s'appellent Body Sculpture. Et j'ai fait une œuvre, en tout cas, qui est la plus importante par rapport à tout le restant de mon travail. C'est effectivement tentative de sortir du cadre. Donc, vous verrez que toutes les œuvres que je vous montrerai et toutes celles que j'ai faites, qu'elles soient à l'intérieur de la performance ou à l'extérieur de la performance, j'ai toujours une grande conscience, donc, quel cadre nous sommes en train de travailler, quels sont les cadres qui organisent ma pensée, qui organisent ma vie, que ce soit au niveau de l'art contemporain ou au niveau de la politique, au niveau de la société. Et j'essaie de désigner ces cadres et ensuite, dans la mesure où je ne les ai pas complètement intégrés, je peux jouer avec ces cadres, je peux les traverser, je peux aller ailleurs, les casser, en refaire d'autres, etc. Faut-il encore avoir conscience de ces cadres. Donc,